Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du Livre des Esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les Esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions sur l'incarnation dans de différents mondes. Allons-y. Et nous sommes dans la question 167. Pour arriver à la perfection et au bonheur suprême, qui est le but final de tous les hommes? L'esprit doit-il passer par la filière de tous les mondes qui existent dans l'univers? Réponse. Non, car il y a beaucoup de mondes qui sont au même degré et où l'esprit n'apprendrait rien de nouveau. Question dessous. Comment alors expliquer la pluralité de ces existences sur le même globe? Réponse. Il peut s'y trouver chaque fois dans des positions bien différentes qui sont pour lui autant d'occasions d'acquérir l'expérience. Eh bien, dans la prochaine vidéo, nous allons répondre à plus de questions sur les mêmes sujets. Parmi elles, celle-ci, par exemple. Les esprits peuvent-ils revivre corporellement dans un monde relativement inférieur à celui où ils sont déjà vécus? C'est une bonne question. Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. Salut.